là, ça va être juste. J'ai promis à ma fille d'aller la chercher. Je suis désolé. Oui, mais ça va sans rien, hein, d'être désolé. Et à quel âge, votre fille? Elle a 4 ans. D'habitude, c'est la vôtre qui la garde. Non, ma fille à moi? Oui. Alors, c'est vous, cette fameuse patronne? Oui, c'est moi, la patronne. Mais je pensais que vous le saviez. Non, elle me dit pas tout. Non, elle vous aime bien, en tout cas. Paul Basterlin, ravi de faire votre connaissance. Vous êtes drôle, hein? Le premier court-métrage que j'ai fait, je me souviens d'un vieil ami qui était metteur en scène de théâtre et acteur, qui était venu voir le film, il s'appelait Mécréant avec Nelly Borjo et moi-même, et qui disait, je savais pas que tu faisais des portraits. Et en fait, j'ai fait ça, ouais, à chaque fois, d'une manière plus ou moins déguisée. Oui, mais pourquoi pas, c'est un genre en soi, je trouve qu'on ne dit jamais au cinéma, c'est un autoportrait. Mais alors que Rembrandt a fait 58 autoportraits, ou je sais pas combien. Parce que j'avais des idées de personnages, il y avait ma fille, il y avait une fille possible, une jeune, une femme de 35 ans, j'avais une vague idée de ce que je pouvais raconter avec ça. Enfin, assez précise en fait. Et puis, et une mère. Parce que mon premier court-métrage était avec une mère que jouait Nelly Borjo et moi-même au téléphone sur la mort et la naissance. C'est un peu le prolongement en fait. Il faut signer là en bas. Il y a ça aussi de la banque. Je sais pas comment on va faire. Mais vous allez pas recommencer, non? Au moins, votre père, il me parlait pas toujours de l'argent, lui. Il avait ce tact. Vous feriez mieux de vous remarier et me faire des petits-fils. C'est vrai, quoi. Vous savez très bien que les filles, dans notre famille, ça compte pour du beurre, non? Oh, ça ferait tellement plaisir à votre père. Un héritier pour reflérir la branche. Oh, il faut que je me sauve, moi. J'ai rendez-vous. Elle est arrivée tard sur le film. Elle est tard? Elle ne voulait pas le faire, d'ailleurs. Ah oui, elle a fallu la convaincre. Oui, parce que je trouvais que c'était trop français. Comment vous l'avez convaincu? Je me suis mis à genoux. Non, je sais pas. Comment je l'ai convaincu? En lui disant qu'elle ne serait pas française? Bah non, j'ai dit que j'allais changer 2-3 trucs et que ce serait encore mieux qu'elle soit étrangère. Et qu'en plus, son fils tombait amoureux d'une Italienne. Donc c'est bien qu'il ait une mère allemande. Après tout, ça marche bien avec. Ça l'a un peu convaincu. Elle m'a dit « Ah, c'est vrai, mon fils, il est comme ça. Il est toujours amoureux des filles étrangères. » Parce que c'est un film dialogué, un peu drôle, en même temps pas que drôle. C'est sur une gravité légère, quoi. Donc, c'est un film assez dialogué. Je ne sais pas, c'est très français parce que c'est sur... Il y a une maison, par exemple, qui a un rôle important, comme un personnage du film, qui est très française. L'appartement aussi. C'est Paris. Ouais. C'est du cheval maintenant, ton copain? Je croyais qu'il faisait du foot. Non, mais il a escaladé la sculpture, place des Victoires, le cheval, là. Il déconnait avec des copains et puis il s'est blessé. Louis XIV, le cheval sur la place des Victoires, c'est Louis XIV. Ok. Louis sur Louis XIV, il devait être en forme. Il est beau en tout cas, ton champion. Tu trouves aussi? Je connais pas d'actrice de 20 ans meilleure qu'elle. Mais je le pense en plus. Mais pas comme un père, hein. J'ai beaucoup appris de ma fille comme acteur. Oui, pourquoi? Ben, je sais pas, en la voyant jouer au théâtre à 12, 13 ans, elle faisait des trucs. Et je me souviens que je répétais, je sais plus quoi, et je me disais, ben, si elle fait ça, je pourrais le faire aussi. Elle le faisait comme ça. Genre, servez-vous, regardez. Tout à fait ouvert et tranquille.